Salut les amis, putain vous m'avez manqué, ça fait au moins 3 semaines, peut-être même 4 qu'on s'est pas vu. De sûr ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vélo. Oh là là, on se retrouve, on va rouler pas loin de la maison là, on va rouler sur le Fenouillet. Donc il va y avoir de belles descentes, par contre putain c'est cardio, pour une reprise c'est pas le top. Mais au moins c'est proche de la maison, hein. S'il faut, je pourrais couper. Eh ouais, j'ai déjà pensé à la solution de repli. Enfin, ça fait du bien de vous voir en vidéo en tout cas. Enfin, de refaire une vidéo et de pouvoir en discuter autour avec vous. Bon, ils sont là, hein. Et ça fait du bien pour le moral de voir les copains. Yeah. Régis, et à vous venir découvrir le Fenouillet. T'es venu finalement ou pas du tout? Comment? T'es déjà venu? Je suis venu une fois, mais en fin de compte, c'était un peu laborieux. Bon, on va essayer d'y faire, on va voir un petit peu les pistes. C'est cool. Qui vont bien. Merci pour l'invite en tout cas. Y'a pas de soucis. Pas bien la reprise, enfin pas tout à fait la reprise. Le retour. Après une grosse chute en véloroute. Nouvelle monture en plus, un joli Cannondale 2022 de... Je sais plus c'est quoi ces deux. 2021 Scalpel SE. Ah, putain, il est périmé. Ah non, on est dans l'année, je sais plus. Mais il est magnifique, il est magnifique. Aujourd'hui ça va envoyer du pâté, enfin je pense pas parce que il va tellement pas avoir peur de l'abîmer qu'il va pas rouler. Pas rouler vite. Première sortie. Voilà. Attention. Bon allez, première montée, et en plus il nous a pas choisi le plus facile là. Putain, pour la reprise, c'est dur hein. Mais la reprise, ah, ça fait 3 semaines que j'en ai pas fait, je suis mort. Ah. Donc du coup, l'objectif c'était d'arriver au moins à la première montée, mais je suis même pas sûr du coup. Voilà. Là, vous devez pouvoir apprécier toute la détresse de mon visage. Je suis cartable déjà. J'arrive même plus à parler. Elle m'a tué celle-là. Et c'est que la première. On a fait une borne. 100 mètres de dénivelé, je sais pas. Putain, ça va être dur. Ça va être dur les copains. Allez, ça descend. Et je suis à l'agonie. Bon, ça va. Ligne droite gauche. Et on va s'arrêter dans le virage pour filmer les copains. Allez là. Allez, le beau Gabi au guidon. Pif paf bouf baf. Et braque, c'est fait. Allez, on a Christophe à la manœuvre. Hoppa. Les boulangeries Paul. Allez. El Presidente di El Diablo. Ah. Ils sont en forme, ils sont chaud bouillant aujourd'hui. Oui. Allez. Comment ça? La chicane mobile. David. Et il a un beau vélo, hein. Je dis pas ça parce que c'était le mien avant. Oh David, qu'est-ce qu'il roule bien ce vélo. Allez Sylvain, place au VAE Power. Yeah. Régis. Allez. Regardez. Allez, c'est à nous, on y retourne. Avec le bon Alain devant. Allez, on va y titiller les poils de cul. Ah là, j'espère que tu t'es rasé. Ça commence à me chatouiller les narines. Vas-y. Ah, j'ai coincé. En pagaille.
c'était pas bon ça. Ça, ça fait du bien quand on s'est fait déchirer en montée. Et une bonne petite descente. Et c'est bien bon. Allez, c'est reparti, la petite partie technique. Ça là, elle est géniale. Bonjour. Bon, première descente finie. Ils sont là, regarde comme ils sont beaux. T'as gagné. Non, bon direct. Oui, voilà. Bah, bien, hein. Bon, ben voilà, je viens de... Je vous ai pas filmé une boucherie interdite au moins de 18, là. On a fait la putain de montée en béton qui tue sa race. J'ai encore laissé un petit poumon. Un petit point de vue sympa sur la croix. Et là, ça remonte un petit peu. Et après, on se fait plaisir en descente. Allez, on y est. On y est. Ça va, elle est bien. Elle est super bien, ça. Ouh. Je sais pas, aujourd'hui, je suis pas trop mal sur le vélo. Je sais pas si c'est la fatigue et du coup, je suis moins lucide, donc je réfléchis moins. Ou alors les 6-8 kilos en plus qui assoient un peu, petit peu plus le vélo, vu que j'ai gardé les mêmes. Mais je sais pas, il glisse moins et il est plus ancré au sol le fait. Ah. Là je suis bien. C'est l'essentiel. Yes. Attention, essayez d'aller sur la gauche là-bas parce que. Attention, attention les gars. Attention les professionnels là. Attention les gars, ça descend. Ouais. Patrick, viens voir par là, s'il te plaît. Viens. Attends, attends, il y a un président. Viens Patrick. Viens. J'ai besoin de toi. Je sais pas, il est où le président, Jean-Louis? El Diablo le magnifique. Il devait pas être devant toi. Il voulait faire pipi. Après il a eu un bide caca. Ouais. Il a peur. Et après quand il faisait pipi et caca, il a dit je vais prendre une photo. Ah, c'est pour ça qu'il est pas là alors, qu'il t'a pas doublé. Il est pas là. Alors ah, ben Jean-Louis, pour la prochaine alors Jean-Louis. T'as fait attention. Fais attention parce qu'il va. Agnon. Là, par là. Par là. Oh Jean-Louis. Jean-Louis. T'as bien essuyé le cucu? T'as bien essuyé le cucu? Allez! Bravo! Allez, c'est pas fini! C'est comme il y en a devant, tu peux lâcher, tu sais qu'il n'y a pas de piéton. Normalement, quoi. Contrairement à d'habitude. Normalement on a le poisson pilote devant, c'est Ben. Allez Ben ! Lâche le frein ! Oh ! Youhou ! J'y mets la pression mais il va déjà vite. Hein. Juste pour le taquiner un peu. C'est fini. Ah, oh, elle était belle ça. Ça fait du bien de refaire un peu de vélo, même si j'en chie sur les liaisons quoi. Les descentes, ça fait toujours aussi de bien. Tout à l'heure, je m'en mets une à l'arrivée. Allez, ça monte un peu. Ça y est. La sortie bascule dans le compliqué. Pourtant, on n'a pas fait grand chose. Bon, ben on est de retour sur le vélo. Ça monte moins.
J'en chie les amis, j'en chie mais c'est bon, ça fait du bien à la tête, ça fait du... ça fait un bien fou, ça fait bien au moral et j'en avais bien besoin. On se régale, on se régale, même si c'est dur, je me régale. Ah regarde, il y a Régis aussi qui se régale. Bah bah bah. Alors ça, tu vois, ça mérite d'être en vidéo. Pour une fois qu'il y a des gens super sympas et compréhensifs, et ben moi je dis merci aux propriétaires et on va être respectueux de votre domaine. Merci beaucoup. Allez, comme vous pouvez le voir, c'est une bonne reprise. On continue avec le mur de la vigie. Mais bon, on va encore y avoir une belle descente derrière, donc on ferme sa bouche, on serre les dents et on pédale. Allez, à mon rythme, mais c'est fait. Et tu vois, t'es quand même récompensé par une superbe vue. Allez, ça redescend. Elle est un peu plus technique, celle-là, que les autres. Oh putain Alain, t'as brisé la correctionnelle. Mais vous êtes tous montés? Bon, et si on remontait un petit peu là. D'habitude celle-là, on la fait en descente. Elle est plus facile en descente. Bon, bien qu'elle se monte. L'histoire de faible. Putain, t'as raison. Allez, on est sur les crêtes. C'est super joli. En tout cas, il fait bon aujourd'hui. Pas trop chaud. Pas trop froid. Il y a du grip. C'est idéal. Et surtout des potes. Ah, j'espère que vous vous régalez vous aussi à faire du VTT. Ah, toujours dans du beau single. Bon, on peut pas se faire les belles descentes là parce que comme il y a la chasse en bas, on va respecter ce qui est entièrement normal. Donc on va bifurquer de l'autre côté. Alors on va essayer de se choper d'autres descentes. On va voir. On va faire en fonction. Et voilà, c'est cadeau. Une fois, après ça remonte de l'autre côté. Allez, on fait encore le beau 2 minutes et après on va se faire calmer par la montée. Oh putain, qu'est-ce que vous me faites les amis? Allez, voilà. Maintenant, on est calmé.
Pardon. Oh. Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de changer les vitesses. Ah, Jean-Louis ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais par terre ? Jean-Louis, putain, il y a la sonnerie. Attends, ça va, il a rien, il a rien. C'est une kilo. J'ai tapé là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a rien, mon chaton ! Ouais. Mais ça, il a rayé le vernis et tout. Ah, j'ai rayé le vernis là. Oh purée. J'ai trouvé le cuir. Ah, oh, j'ai tapé le genou par contre, j'ai niqué. Allez. On est reparti. Dans la montée, on va essayer de plus tomber maintenant. Ah, c'est pas de la sortie. Tranquille aujourd'hui. Oh là 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 là. S'accrocher. Mais ça va parce qu'on a quand même de belles vues sur le côté. Donc ça aide. Ça aide. Oh, c'est passé. Juste, c'est passé. Ouf, ça monte encore jusqu'à la potence. Celle-là, j'ai craqué sans même l'avoir essayé. J'ai sauté du vélo. J'ai dit non. C'est pas possible. Ouf, il vaut mieux faire comme ça que il en reste encore derrière. Vaut mieux s'économiser des fois. Et puis, moi j'ai envie de m'économiser. Ouh là là, en tout cas, ça fait du bien d'être là avec vous, les amis. Au moins, ce week-end, j'ai bougé mon gros cul. Je suis pas resté affalé dans le canapé. Même si j'en chie, ça aère l'esprit. Allez, dernier petit point de vue là. On est en haut de la potence. Bon, bien sûr, j'ai tout fait sur à côté du vélo. Mais on est en haut quand même. Ils sont là. Et puis maintenant, on va se descendre un petit peu avant de remonter. Pas le choix de remonter. Par contre, on a le choix de descendre. Bon, du coup, j'ai oublié de vous filmer la descente de la potence. Pas trop oxygéné. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Voilà, là, on va se faire les petits singles. Et un petit peu de montée sur route avant de récupérer le single de la dernière montée. Et on se terminera par une belle descente que vous connaissez déjà pour clôturer cette sortie. Allez, on est dans la dernière montée. On s'accroche. On va la faire sur le vélo. On va essayer. Ouais, j'appuie. J'essaye. Go, allez, go, go. Le plus dur est fait. C'est gagné. Ah, parce que là, c'est la dernière. Ouais. Allez, go. On est parti. Allez, on va essayer de se faire plaisir dans celle-là. Il y avait le choix entre une un peu plus technique et celle-là. Je préfère rêver là sur celle-là parce que je commence à être fatigué. Et celle-là, elle est déjà assez amusante, comme ça. S'arrêter, filmer les copains. Simply the best. Allez, go la deuxième partie. Hop. Et puis, paf, pour commencer. Ouh, la roue avant, elle n'a pas aidé. Pas là où je suis le meilleur, les pif paf. Hein. Mais ça se travaille. Oh, joli celui-là. Ah, merde.
90, c'est fait, c'est pris. Allez, on attend des copains. Allez, c'est reparti, deuxième partie. Celle-là, il y a un petit peu plus de marche que Kélias. Elle est tout aussi bien avec des petits virages en bas. Normalement, quand je suis de bonne humeur, j'y arrive. Ouais, on saute. J'ai mal négocié, tu vois, perdu trop de temps. Allez, maintenant c'est plus que des prises paf entre les arbres. Je parle moins quand je suis concentré. Et là, vu que c'est pas mon domaine, je suis concentré. Du moins, j'essaye. Ah, c'est presque fini, encore un ou deux. Et le dernier. Ouais, je m'en suis pas trop mal sorti. Fier de moi. Il est là. Elle est pas belle la vie. Elle était pas bonne ce descente. Nickel. Pour clôturer pour tout les, ça. Pour les petits. Ah. Pour finir une sortie, rien de tel qu'une belle descente. Ouais. Et ouais. Maintenant, on va boire. Place au ravito. Ouais. Une, deux, trois, quatre, cinq bières. Cinq bières. Avec des cacahuètes. Avec cacahuètes. Allez, on se retrouve aux cacahuètes. Voilà, c'est le meilleur moment de la sortie. Belle sortie, une DSP, le Croatim, que du bonheur. Les amis, voilà. Il manque encore d'un deuxième groupe, mais ils sont à la rue. On leur a mis la foudre. On va pas dire, mais il y a donc, Patrick. Ouais, ça fait rien, Patrick, il a morflé encore. Donc il va encore amener sa gueule de macaque, là, mais il a morflé toute la sortie. On va boire toutes les bières et il n'en aura plus. Voilà, ben on se quitte avec le mot de la fin du président et puis on se retrouve pour une prochaine sortie. Allez, bon week-end à tous.